au CDI. Ne t'avachis pas sur les... On recommence. Vas-y. Tu peux lire des romans ou bien te documenter. Ah, ça, ça va pas. Salut les pigeons. Bling, 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 bling. Mais je peux... Ouais, je me suis trompée là. C'est pas... Non, 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 j'avais le stylo. On cherche déjà comme mot péteux. Sauf si c'est un professeur qui me l'a demandé. Sauf si c'est un professeur. Bienvenue au CDI. Recommencez, il était pas grave. Il était pas grave. La solution, de trouver un roman. Pour trouver un roman. Bah. Soit tu connais l'auteur et tu vas chercher le livre. Bon. Je sais que l'auteur de Tom Sawyer est Mark Twain. C'est bon? Comment on sait que les livres... Vas-y, reprends. Comment on sait que les livres sont classés d'ordre alphabétique d'auteur? Oula. Il n'y a pas que des romans dans... Merde. Il n'y a pas que des romans dans les fictions. Action. Ouais. Bah, j'ai rien dit. Non, mais non. Sur l'ordinateur, j'obtiens la code du livre. Non, trop tard, trop tard. On recommence. Oh. Sur l'ordinateur, j'obtiens la code du livre. Oh. Celle-ci, gros. Ah non. On... Sur le... Sur le... On recommence. Non, mais... De trois lettres correspondantes. Mais les mains en l'air. Chut. Allez, 1, 2, 3. Les fictions, c'est facile. Aïe. Oh, y-